Bonjour à tous. Alors nous voici sur la Loire, un magnifique fleuve à courant fort. On est ici pour vous montrer les différentes techniques de pêche au silure dites au cassan, des pêches de soirée et de matinée. On va rester ici pour bivouaquer. Je me trouve en compagnie de Maxime Albert, notre sponsorisé RegCat du coin. Je m'en vais de ce pas le rejoindre pour l'aider à finaliser les montages. A tout à l'heure. Alors Max, explique-nous un peu comment on va pêcher là et la typologie du poste que tu as choisi. Là. Donc là, on va pêcher sur un assemblement des deux courants en cul-d'île avec un montage flotteur sous-marin. D'accord, donc c'est-à-dire en fait que les deux courants vont se rejoindre et ça crée une zone de turbulence et aussi une zone de calme. Oui, c'est ça. En fait, là, du côté gauche, il y a un bras mort avec un léger courant qui arrive et la veine d'eau principale. Ouais. Donc du coup, comme tu as dit avant, ça crée une zone de calme. Et limite proche du fort courant, on va dépenser un montage flotteur sous-marin avec une pierre cassante. D'accord. Donc là, le vif va vraiment pêcher dans la veine d'eau. Enfin, il va être pris par le courant et grâce au flotteur sous-marin, va pêcher au-dessus du fond et ne pourra pas remonter pour s'emmêler dans la ligne. Ouais, c'est ça, il va nager à quoi, aller 50, 70 cm du fond. Là, en fait, grâce au float zoom, le vif, il va se décoller du fond automatiquement et ça va pêcher limite fort courant et zone de calme. D'accord. Donc bien sûr, là, le vif est léché par la bouche. Hein. Comme c'est en veine de courant, on est obligé de lécher par la bouche parce que lécher par la queue, le poisson il va moins être actif, il va être en surface, ça va moins bien pêcher. Ça va pas pêcher et le vif risque de mourir. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, donc là la pierre perdue est posée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur la berge ou? Non, là on va poser un prolongateur au bout de l'île, là juste là, parce qu'on pêche depuis la berge d'en face. D'accord. Donc pour pas que la tresse, notre corde de ligne principale, y touche la veine d'eau, pour pas prendre de merde, pour que ça soit bien en hauteur, on va poser un prolongateur. Donc comme ça, s'il y a des branches qui dérivent ou des algues, la tresse, elle est pas en contrainte. On prend que dalle, on prend rien, on prend pas d'herbe, pas de branches, rien. Très bien. Aucun objet qui dérive. Donc là, on va rajouter, si je comprends bien, un fil cassant sur un prolongateur. Un fil cassant en hauteur. Un fil cassant coulissant sur notre corde de ligne. Ok, et là le fil cassant va coulisser sur le corps de ligne de la Ouais, carte. C'est important parce que si tu bloques ce fil cassant là, derrière ça fera un gros mou. Ouais. Et puis ton corps de ligne qui sera entre ton flotteur sous-marin et ton prolongateur qu'il y a là, s'il n'est pas tendu, il va prendre des herbes ou des branches qui dérivent également. Donc c'est important que ça soit tendu. D'accord. Donc après on met tout ça en tension et la ligne est pêchante. Ouais, c'est ça. Là on n'a plus qu'à rejoindre notre poste de base et on peut tendre la canne. Donc là bien sûr tu gardes ton corps de ligne en tension pour éviter que la... Ouais, c'est ça, je garde ma tresse en tension pour éviter qu'elle touche l'eau. Comme ça elle prend pas de... Elle prend pas de branche. Ouais, c'est ça. Elle prend pas le courant. Ouais, c'est ça. Là, je retends bien ma tresse
pour, comme on a dit juste avant, que le corps de ligne il touche pas le courant. Et je viens bander ma canne. Alors là, on utilise une deuxième méthode de mise en œuvre. Donc, tout à l'heure, on était deux sur le bateau et on ramenait la canne. Et là, Max est parti tout seul en bateau pour aller tendre. Et moi, je reste sur la berge avec la canne. La méthode est la même. Il faut en aucun cas que la bannière, que le corps de ligne touche la surface de l'eau. Voilà, donc ça permet d'avoir quelqu'un sur le bord en cas de départ quand au moins une des cannes est déjà tendue. Donc là, on installe un vif au flotteur pour la simple et bonne raison qu'on va pouvoir régler la hauteur de pêche du vif. Voilà, petite différence avec le flotteur sous-marin. Donc là, en général, avec le bouchon, on fait pêcher le vif plus en surface qu'avec le flotteur sous-marin. Donc là, Max est en train d'installer le prolongateur dans une branche. Donc le prolongateur, en fait, il va servir à placer le vif à la distance où on veut. Voilà, tout simplement. Donc là, on le règle, on a un petit système qui nous permet de le régler de 10 cm jusqu'à une trentaine de mètres pour pouvoir pêcher la veine d'eau que l'on veut exploiter. Donc là, on repart sur la berge. Mais il faut absolument qu'on garde la bannière tendue. Il ne faut pas que la bannière touche l'eau, parce qu'avec le courant de la Loire, on risque de prendre des branches mortes. Et avec la puissance du courant, le cassant pète et le montage ne pêche plus du tout, quoi. Voilà. Donc il faut bien garder la bannière au-dessus de l'eau. Ok, donc là, ma bannière est bien au-dessus de la rivière. Et donc là, je peux mettre ma canne en tension afin que le montage soit pêchant. Alors, pourquoi la canne est en tension? Parce que quand le silure va venir prendre le vif, il va venir casser le brin cassant. Et là, la canne va revenir en arrière et va faire un premier ferrage, va auto-ferrer le silure. Donc là, le détecteur va se mettre en route. Et là, on intervient, on arrive sur la canne. Et là, c'est parti. On ferre une fois, deux fois, trois fois. Mais le silure est déjà préféré. Petit avantage. Là, on est pendu. Vas-y, monte. On est pendu, c'est pas trop mal. Fais voir le... Envoie-moi le gilet, s'il te plaît. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est bon, ça. Donc là, c'est parti pour le combat. En pleine Loire. Et il est en train de me mettre sa race. C'est un beau, hein. Ça tient la veine. C'est du sport. Hein. J'ai les nouvelles cannes ProBank. Donc là, c'est la 3 mètres, 400 grammes. Spécial pour les pêches opposées, pêches au cassant. Et là, c'est parti sur un montage au flotteur, montage qu'on a posé il y a juste 10 minutes. Yo, 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 yo
Et voilà, donc il est là le Golgot, 5 minutes de pêche, 2m11, c'est un gros poisson, c'est un beau poisson, il est maillé, c'est pas un poisson hors norme, mais c'est déjà un beau poisson, donc on est bien content de nous. Super Max. On a le cassant qui a pété, on a le poisson qui est pendu, qui est au milieu de la veine d'eau, qui se laisse pas faire. Donc c'est le montage flotte sous-marin qu'on a déposé tout à l'heure. T'as vu les doubles cassants, ce que ça fait? Retour de canne là. Ah, c'est violent. T'es juste derrière. C'est le deuxième. C'est le deuxième pète, qui. Tu te la prends dans le nez. Quand le deuxième y pète, c'est ça que je te dis. Quand ça fait un grand mou, ça s'entoure autour de la. Du sion de la canne, c'est chaud. Allez le doubler là. C'est maintenant. C'est bon ça. Je veux qu'il te fasse planter les talons dans le sable. T'inquiète. Là, on prend le bateau parce que le poisson il prend trop la veine d'eau et là, on n'arrive plus à le remonter. Donc, on va aller sur lui pour éviter qu'il aille se tanker dans un obstacle. Et qu'on casse, qu'on perde le poisson et qu'il se blesse avec le. Qu'il garde le montage en gueule. Un joli poisson pris sur le montage flotteur sous-marin qu'on a déposé tout à l'heure. Donc on va lui rendre sa liberté.
Je vais vous parler d'un montage que l'on a déposé hier soir au fil cassant. Donc le premier montage est muni d'un hameçon triple 3-0, d'un bas de ligne en tresse à bas de ligne 100 kg, résistance 100 kg, un hameçon simple offset 9-0. Donc après, on va retrouver le reste du bas de ligne en monofilament 1,2 mm d'une longueur variable entre 1 mètre, 1,50 m. Donc ensuite, pour venir finir cette partie, je l'ai muni de deux sleeves. Je l'ai enroulé sur elle-même pour éviter la tension sur l'émerillon. Donc sur les sleeves, après les sleeves, j'ai mis deux sleeves. Pourquoi ? Parce que parfois un sleeve peut glisser. Donc j'en ai mis deux pour des raisons de sécurité. Donc surtout, n'oubliez pas un petit coup de briquet sur la partie du monofilament juste après le sleeve pour éviter que celui-ci glisse. Voilà. Ensuite, un émerillon à agrafe pour pouvoir éventuellement changer de bas de ligne lorsque l'on a envie, lorsqu'on change de vif ou lorsque les conditions changent. Donc après, là on a la bannière en tresse, résistance 65 kg. Donc une petite perle en caoutchouc qui va venir en buter pour protéger le nœud. Sur ce nœud, on va avoir un plomb. C'est pareil, là on est sur des grammages entre 100 et 200 grammes maximum. Donc ce plomb va venir buter sur l'émerillon et la petite perle en caoutchouc va éviter d'abîmer le nœud. Ensuite, un flotteur. Donc là, c'est au choix. On a 100 grammes, 150 grammes, 200 grammes. Ça dépend de la taille du vif, surtout la vitesse du courant. Une petite perle sur le dessus. Et enfin, un arrêtoir, soit un stop float, soit un arrêtoir. Ça, c'est à votre guise. Donc, cet arrêtoir va pouvoir coulisser le long de la bannière, ce qui va nous permettre de régler la profondeur de nage du vif. En fonction de la profondeur du cours d'eau, de l'activité des poissons, si les poissons sont plus mordeurs en surface ou en profondeur, et enfin, en fonction du type de rivière. Voilà. Donc, enfin, dernièrement, pour pouvoir relier ce montage au prolongateur qui est dans un arbre, sur une île, etc. Donc on va utiliser un fil cassant. Pour relier ce fil cassant, une petite astuce très simple. Donc vous faites une boucle et vous venez la verrouiller. Donc là on a juste une boucle. Si je tire sur cette boucle, regardez bien, elle se défait d'elle-même. Aucune contrainte. Donc aucune chance d'avoir la tresse abîmée. Donc je recommence cette boucle. Voilà, elle est en place. Donc après, sur cette boucle, je vais venir installer mon fil cassant. Donc c'est ni plus ni moins que du monofilament en 35, 40, 45 centièmes, voire 50 centièmes, parfois doublé en fonction du courant et des conditions. En général, j'utilise du 40 centièmes. Le 40 centièmes passe à peu près dans toutes les situations. Donc, sur ce monofilament, j'ai fait tout simplement deux boucles. Donc, je vais le passer dans la boucle faite sur la tresse. Donc, boucle dans boucle. Après, je verrouille. Et là, vous avez votre corps de ligne et votre brin cassant. De l'autre côté, on viendra installer le fil cassant sur une agrafe mise dans un arbre, sur une bouée, ce qu'on appelle le prolongateur. Et le montage est en place. Donc on aura une tension et quand le silure va venir prendre le vif, la canne va se tendre, le fil cassant va casser, la canne va revenir en arrière et va auto-ferrer le poisson.
voilà, résultat de cette pêche au cassan. Triplé de plus de 2m10. Des poissons calibrés hein, entre 2,10 et 2,11. Voilà, une belle réussite. On est bien content. Ouais, bien content. Le matériel a bien tenu. Tout est validé, tout est OK. Il n'y a plus qu'à rentrer à la maison serein. Beau Golgoth. Je vais revenir sur un montage qu'on a déposé hier. Donc le montage type flotteur sous-marin déposé sur le fond avec une pierre cassante. Donc la particularité de ce montage, c'est que dans des zones à forte pression de pêche, il permet de sortir de très gros poissons. Donc on a un petit simple en 7-0 avec une tresse de environ 5 à 10 cm maximum reliée à un gros simple en 9-0. La particularité de ce montage, c'est qu'en fait l'appât il est éché avec le petit simple, donc en fait il n'y a pas de triple relié derrière à l'appât, donc la nage est plus libre, et donc automatiquement quand le silure viendra avaler le vif, il se piquera automatiquement avec le gros simple. Donc ensuite on est relié avec un bas de ligne fluorocarbone de 1,2 mm, résistance 114 kg, suivi d'un montage, enfin d'un flotteur sous-marin de 20 g. Donc comme on pêche à la pierre cassante, la particularité du flotteur sous-marin, c'est qu'il va décoller le vif dans le courant au lieu qu'il soit posé sur le fond et inactif. Donc l'intérêt du flotteur sous-marin, il sert à décoller le poisson dans le courant. Donc je viens régler à peu près à 20, 30, 40 cm maximum mon flotteur sous-marin sur mon bas de ligne avec les stops Reach 4. Le dernier poisson de la session, à 5 minutes de la fin, on était en train de plier. Un beau Golgoth, 2m14, est venu nous récompenser de cette belle session sur la Loire. Un magnifique poisson marbré, un vrai gris de Loire, poisson magnifique. Un beau travail d'équipe.